Sup les Kenchi, back to the new vidéo. Une millionnaire recrute un petit ami pour 69 000 $ par an. 69 000 $ par an. Il faut que je connaisse cette histoire. Une jeune écossaise de 23 ans est millionnaire. C'est où l'Écosse? Faut que je regarde sur la carte, hein. Je crois qu'on va aller là-bas. Mais même avec tout cet argent, elle ne semble pas heureuse. Elle a donc décidé de payer son futur petit ami. Mais comment tu veux me payer? En fait, le gars qu'elle a trouvé, c'est une pute, en fait. Mais comment tu peux payer ton gars, genre, pour qu'il sorte avec toi? Wouh! Donc, en fait, cette jeune femme s'appelle Janet Park et elle a gagné à l'euro-million en 2013. Donc, elle a gagné plus d'un million d'euros. Elle a gagné plus précisément 1,15 million d'euros. Tu t'imagines avec cet argent, qu'est-ce qu'elle a acheté? Une voiture de luxe, une belle maison et elle s'est fait refaire ses seins. Mais tu vois, après avoir acheté tout ça, elle n'est pas comblée. Il lui manque quelque chose. Et cette chose, c'est un gars. La femme, elle est loin d'être moche. D'ailleurs, elle a eu plusieurs relations, mais qui ont mal fini, qui ont fini en échec. Du coup, là, maintenant, elle est tellement déterminée à trouver l'amour qu'elle est prête à payer carrément. Elle a récemment décidé de payer son futur ami par an pour la maudite somme de 69 000 $ par an. Et pour ce faire, la jeune millionnaire a donc lancé un site internet où les hommes intéressés pourront s'inscrire et déposer leur candidature. Ils auront donc pour seule mission de sortir avec Jane Park et l'heureux élu sera bien évidemment payé au prix fort. Apparemment, la jeune femme reçoit des milliers de candidatures. Non mais que tu sois belle ou moche, que tu mets 69 000 $ à la clé, là c'est sûr que tu vas avoir des dizaines, des milliers de candidatures. Hein. C'est quoi le site là? La meuf elle est trop conne. Déjà elle a payé une voiture de luxe, une maison, elle s'est fait refaire les seins. Donc déjà elle a plus un million, elle doit peut-être avoir, je sais pas, 800 000, 700 000. Et là elle va payer un gars 69 000 € par an. Elle va perdre tellement de thunes. Déjà elle a gagné cet argent au jackpot, faut pas oublier. Donc si elle a plus cet argent, elle va être fauchée. Et pourquoi je vous dis qu'elle est trop conne? Parce que là, elle a lancé cette annonce d'avoir un gars pour 69 000 € par an. Elle va bien pouvoir choisir son gars, si c'est un Renoir, un Métis, un Blanc, vu toutes les candidatures qu'il y a. Ok, elle va sélectionner, elle va rester avec, mais ça se trouve, le gars va pas l'aimer. Le gars, déjà, il vient juste pour les thunes, en fait. Et je pense plus tard, quand elle aura pris de l'âge, elle va se dire, putain, mais en fait, le gars, il m'aime pas, en fait. Il reste là juste pour mes thunes. C'est pas du vrai amour, tu vois, c'est de l'amour. Je sais pas comment on appelle ça. Fictif. Enfin, bref, je sais pas comment appeler ça. Moi, je sais pas, je me sentirais mal. Je me sentirais comme une pute. La meuf, elle me paye pour que je sois son gars. C'est trop bizarre. Bon, après, peut-être le gars, il va peut-être tomber en love d'elle. Mais ça, ça arrive rarement, ce genre de truc. Enfin, bref, de toute façon, comment tu peux payer? Ça se paye pas, l'amour. Ça se paye pas, putain. Ça finit toujours mal quand tu payes pour l'amour. Bref, en tout cas, j'espère que cette jeune femme, un jour, elle ouvrira les yeux. T'imagines, elle reste 10 ans avec cette personne-là et qu'à un moment, elle ouvre les yeux, elle se dit « Putain, mais en fait, il m'aime pas et tout. » Oh non, c'est chaud. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous aurez accepté. Dites-moi ça vraiment, sérieusement. Bref, à la prochaine, les gars, pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Him, I stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro, if it's about the peso, yeah. Like it's go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.